Hey, hey, salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne Ben et Mel. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un concept de vidéo spéciale Tirier. On teste Tirier. Ah, on adore tester le Tirier, vraiment c'est ouais, super cool. C'est des produits qu'on consomme quand même régulièrement et du coup on avait envie de partager ça avec vous et de voilà pour ceux qui se demandent comment c'est à l'intérieur des boîtes. Donc là, pour cette vidéo, on vous emmène sur 5 déjeuners chez Tirier, plus ou moins express. Alors c'est toujours des repas qu'on paye, on n'est toujours pas sponsorisé. Hein. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et, ouais. Et pour le premier déjeuner chez Tirier, on a prévu des bouchées à la reine. Alors c'est séparé, hein, y a plusieurs produits. Ici, vous avez le boucher, donc la pâte feuilletée qu'il faut cuire, hein, elle est crue. Donc là, c'est 4,50€ les 4. Donc là, on va en utiliser que 2 pour ce midi. Donc, voilà, ça fait 1,12€. On va calculer super vite. Hein. Et avec, on a choisi une garniture au poulet, quenelle et champignons. Voilà, hop. Et ça, c'est pour 3 personnes, je crois. Hein. Ouais, mais bon, ouais, 3 personnes. C'est pas très grand. Je pense qu'on va se faire ça pour nous deux. Et ça, ça coûte 5,50€. Ouais, mais c'est non, 400 grammes, donc ça fait 200 grammes par personne. Ouais. Donc ça nous coûte 7 euros et quelques pour nous deux. Et on va cuire du riz avec. Bah, oui. Parce qu'on quand même, il faut un petit truc à côté. Donc ça, le riz, c'est pas compté dedans, bien donc, sûr. Mais alors, voilà. Attendez, ça, c'est au four. Au four, c'est de 22 à 24 minutes à chaleur tournante. Ils disent quoi, les degrés, là-dedans, là ? 180, je crois. Purée, j'ai tout perdu. Alors, et ça, vous avez deux techniques pour le faire. Soit vous le faites à la casserole, donc 7 à 9 minutes sur feu doux. Soit vous le faites au micro-ondes. 6 à 7 minutes, ça revient quasiment au même temps. Mais on va faire à la casserole, donc ça sera meilleur. Je crois que la batterie arrive à la fin, non? Bon, on cuisine et on se retrouve pour le crash test. On vous montre ce que ça donne. C'est pas très beau, hein. On n'est pas dans le glamour. Alors nous, on a mis des petits champignons séchés dans le riz et puis des petites tomates cerises. Mais en termes de quantité par rapport à la poche de 3 personnes, moi, ça fait vraiment ça fait plus 2 personnes que 3. Hein. Ouais, clairement. Ouais, ouais. Bon, bah, on goûte le riz. Non, rien à voir, tu sais. On va goûter ça. Donc, c'est des quenelles de volaille. Ok. Avec des champignons, sauce à la crème. C'est bon, ça. Quenelle est très bonne. Bon, la pâte feuilletée, sans vous mentir, on avait déjà goûté. Donc je sais déjà que les champignons, il y a à voir avec. Alors. Ok, il y a les quenelles. Il y a des bouts de volaille. Ouais. Non, c'est pas des argons, c'est des poulets, ça s'appelle. Oui. Des lardons de poulet. Et il y a des champignons de Paris. C'est bon. Franchement, c'est très bon, très bien assaisonné. J'ai goûté avec. Très très bien assaisonné. J'ai rajouté du sel et du poivre. Franchement, moi celui-là, je vais attends, sur. Je c'est vraiment très gourmand pour moi. J'ai vraiment. Là, très réconfortant. Pour l'hiver et tout, sympa. Quand Mel elle fait comme ça, c'est que c'est bon signe en général. C'est sympa. Hein. Ah, vraiment, c'est limite meilleur qu'au restaurant. Bon, après, voilà, c'est compliqué. C'est plus compliqué à faire si vous êtes au travail ou quoi. Forcément, voilà, en assemblage, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est pour un déjeuner tranquillement à la maison. Ouais, ou le soir tranquille. Oui, ça marche aussi. Moi, ils avaient différentes garnitures. Ouais, nous, on a fait la moins chère, j'avoue. Il y a fruits de mer, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je mets sur l'ensemble de 9. Ça, là. Ah ouais, un bon 9. Moi, je mets un bon 9. Hein, recommandé à 100%, vraiment, ouais, ça vaut la peine. Voilà. Et c'est pas si cher que ça. Ouais. Quand tu vois le prix d'un boucher à l'arrêt, même en boulangerie. Ah bah, puis le feuilletage, là, il est meilleur que ceux que vous achetez déjà fait ou que vous achetez en boulangerie, hein, clairement. Ouais, vraiment, ça vaut la peine. Ouais. Tester, vraiment, c'est super bon. Ouais. Moi, on mange. Allez, bon appétit, on se retrouve pour la prochaine. Et voilà, on se retrouve pour notre deuxième repas. Déjeuner chez Tirier. Deuxième repas de Tirier. Ça va aller. Alors, on a pris des trucs décomposés, c'est pas un truc tout prêt, on va assembler nous-mêmes notre assiette. C'est pas un seul plat, c'est plusieurs petits fruits. Alors, en protéines, on a pris. Je te laisse lire. Alors, je vais lire. Manchon de poulet mariné kebab. 500 grammes, ça a coûté 6,35€. Et donc, il y a pour. C'est pour combien de personnes? 3 à 4 personnes. On peut les faire soit au micro-ondes pendant 4 minutes, 5 minutes, ou soit au four pendant 15 minutes. Je pense qu'on va faire au four, ce sera meilleur, non? T'as vu l'heure qu'il est? On part au moins d'une heure, ça va être hyper chaud. Ça va être très très non, chaud. Non, on va faire au micro-ondes. Pour aller avec, on a pris des petites spätzle. Hop là! Hop!
Donc là, c'est 500 grammes, ça coûte 3,30€. Jamais goûté ça. Deux à trois personnes aussi. À la poêle, 4 à 8 minutes. C'est ça. Et pour accompagner ça, sur l'espèce de l'eau, on a une petite sauce aux champignons. Ouais, petite sauce aux champignons. 200 grammes, 2,95€. Et là ? Et là. Au micro-ondes. Ou 2 minutes 30. De 45 secondes à 2 minutes 30. Ok, ou à la casserole, 3 minutes 30 à 6 minutes 30. Alors ils sont larges, hein. Vraiment. Ils ont prévu large. Je pense que c'est à la casserole. Il n'y a pas le nombre de personnes. Bon, pas voilà. 200 grammes, tu supposes que ça ne va pas faire pour 10 personnes. On va voir ce que ça donne, on vous montre ce que ça donne une fois fini dans l'assiette. Et voilà, c'est prêt. Oh, ça voilà ce que ça donne. On a mis la sauce dessus. Les petits poulets. On a fait au four finalement. Oui, on a pris le temps de le faire au four. Ça donnait plus envie au four. Quoi. Allez, je goûte ça. Ah, moi, il reste des plumes là. J'enlève les plumes peut-être. Tu manges pas les plumes? Bah, pas trop, non. Les petits pilons au kebab. Bah, au kebab. J'enlève les plumes. Saveur... Quand même, hein. Ah ouais, non mais. Il y a des petites plumes. Bah, bam. Ça sent bon. On l'a pas bouffé, il en reste plein. Hein. Bien épicé. Le poulet est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, punaise. Et... Grave. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, il n'y a pas grand chose dessus. On goûte les spätzle. Allez. Tu mets combien déjà sur le poulet là? Toi? C'est pas mes trucs favoris. Oui. Mais franchement, vu qu'il y a des plumes, je mets 6. Ah oui, voilà. C'est vrai que moi aussi, là, j'ai des. Ouais, c'est un peu dommage. On est bout de Attends, plume. Attends, j'ai déjà goûté les spätzle et après avec la sauce. Spätzle, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bon ça. Et la sauce aux champignons est très bonne, moi j'aime bien. Là, les champignons, là... Là, je serais plus sur un 7. C'est pas non plus comme des spätzle frais, hein. Ah si. Du coup, j'irai sur 6,5 globalement. Moi, les spätzle, je pense que c'est même meilleur que des fois que les trucs qu'on a achetés au supermarché. Ouais, c'est beau. Bon, ça va, ils sont bons, mais c'est pas non plus. Voilà. La sauce, elle est. Et puis ça fait un repas. On était à combien le repas là, du coup? Pardon, je mange moins. Bah, le repas, bah, ça dépend parce que j'ai pas mis tous les piments. Bah, de oui, poulet, c'est quoi, compliqué mais ça à pas, calculer, ouais. Ouais, faut compter les un peu. Les c'était 3, 5, allez, 6, 7, 8, 9. Alors, on est à 4,50€ par personne. Ouais. Bon, bah, bon appétit, c'est parti, puis ça on va. Vous montre le Attends, prochain. Ouais, moi, je... Oui, oui. Non, tu mets combien? Je sais pas. Selon. Ouais, pas plus que 7 quand même, ouais. En globalité. Bon, allez. Allez, bon appétit. Bon appétit. Moi, j'ai quand même faim. Déjeuner numéro 3. Yes. Et alors, on se fait pas chier. Là, on a prévu un vraiment... un plat préparé tout prêt. Complet, voilà. Donc là, c'est un hachis parmentier défiloché de bœuf charolais pour deux personnes. Pour le réchauffer, c'est 55 minutes au four. Ou alors, il y a le micro-ondes? Ah non, même pas. Ah non, je crois que là, c'est vraiment, c'est que au four. C'est que au four, ouais. Et toutoum. Ah oui, de 1h et 1h05 dans un four traditionnel. Ouais, donc 1h. Faut 1h de. Alors ça se trouve, c'est même pas cuit, tu vois. Donc c'est 700 grammes. La viande est d'origine française. Les pommes de terre, c'est d'origine aussi France. C'est des petits plats de la maison qui coûtent un peu plus cher. Et le prix, je crois qu'on avait une promo sur celui-là, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a pris. Nous, on l'a eu à 7,16€. Et normalement, sinon, il c'est 8,95€. Voilà. Pour ça qu'on l'a pris aussi. 8,95€, 7,16€, ça fait. Ça fait 1,70€, 80€ de différence. On a de la salade normal. Encore? Ah, si on avait de la salade, ça serait sympa. Ah, je sais ce qu'il nous reste, un peu de soupe, le velouté, la potiron. Ah, peut-être qu'on va faire ça avec, ouais. Ouais, c'est une portion, toi, faut le manger. C'est vrai que c'est pas grand chose. On fait cuire ça et on vous montre à quoi ça ressemble une fois cuit. Non, on a oublié. Regarde à quoi ça ressemble congelé avant. Voilà, ouais, bon. Ça d'épaisseur. Bon, je pense qu'en portion, c'est pas mal, hein. La pique, il sent du congelé, ça sert quoi. À rien. Bon, bah, on met ça au four et puis on trouve Entre un petit Entre-temps, on fait quoi? Une petite séance de sport. Allez, c'est parti, sport. Et voilà, c'est cuit. Ma tête a changé entre-temps, après la ah séance bah, de sport. Sport hein. Alors, regarde. Attends, vas-y, vas-y, montre. On l'a cuit le temps respecté. Ouais. On l'a pas prolongé. Franchement, ça donne faim. Alors, on a fait une petite salade finalement, on n'a pas fait la Oui, la c'était soupe. Mieux, un peu de fraîcheur avec, c'est Alors, pas pour mal. Pour ceux qui regardent aussi les vidéos HelloFresh, on l'a fait avec des restes HelloFresh du coup, parce que la salade, vu que mon fils n'est pas là cette semaine, c'était un peu compliqué. Il nous restait de l'avocat à utiliser et du radis. Donc, on a fait une vinaigrette et de avec de l'avocat, oui, mais c'est ça, c'était pas HelloFresh.
C'était des to-go, les paniers anti-gaspi. Ah oui, on a fait des paniers anti-gaspi. Allez. Ah d'ailleurs, si des fois vous voulez voir ce qu'il y a dans des paniers anti-gaspi, n'hésitez pas à nous mettre si vous voulez voir des petites vidéos. Ça peut être cool. Ouais. Mettez en commentaire. Bon, n'hésitez pas. Alors, les filochés, c'est le plus important. Un peu de salade. Hein. La purée. La salade est bonne. La salade est très bonne. L'avocat n'est pas super mûr, mais... Ouais, bah c'est pas trop la saison encore, par contre. En même temps, c'est jamais la saison. Ah, la viande. Moi, je goûte le tout, je fais la bouchée parfaite. Ouais, c'est plutôt bien, ouais. Moi, je suis jamais trop fan des hachis parmentiers de cette manière. Ça, bah, c'est là, pas le là, franchement, c'est bon. Le plus. Là, franchement, c'est bon. Et alors ? Moi, je mets un 8 sur celui-ci. Franchement, cool. La viande, elle est bonne. Ouais, la purée n'est pas mauvaise, vraiment. L'ensemble est plutôt ok. Il y a du goût et des petits légumes. J'ai pas goûté le dessus, là. Le croustillant, là, ça donne quoi ? En fait, il n'y a pas le fromage. C'est que la purée qui fait comme ça. Franchement, c'est bien. Hein. Moi, je mets un 7 sur 10 parce que je suis pas trop fan des hachis parmentiers en temps réel. Mais il est très haut. Moi, je mets un 8. Il y a, comment dire, il fait pas chimique. Non, ça va. Bon, allez. On se retrouve pour la prochaine. On se retrouve pour notre... quatrième repas chez Thirier. On est plutôt sur un repas assez healthy, ça va. Et c'est encore un composé. On a pris deux trucs séparés. C'était pas dans le même packaging. Mais c'est déjà du tout préparé en fait. Il n'y a pas grand chose à faire. Oui. On a en sauce de protéines, on a du filet de merlu sauce vierge. Donc il y en a deux. On les a eus à 4,86€. On a une réduction dessus, sinon c'était 5,40€. Ouais, j'ouvre pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Au micro-ondes ou... Ah, ça ressemble à ça. Ok. Je m'attendais pas à ça. Ok, moi je m'attendais à une barquette en fait. Au micro-ondes ou sinon on peut les faire au four. Ça, on va les faire au micro-ondes. On n'a pas trop le temps, voilà, ça ressemble. Alors la sauce vierge, elle est intégrée dedans en fait, hein, je pense. Et avec, on a donc un risotto aux pointes d'asperges vertes. Ok, vas-y. Ça a l'air pas mal du tout, puis ça va bien ensemble. Donc ça, c'est pour deux personnes. Ah, j'ai eu super mal. Pour deux personnes. Et ça, ça nous coûte donc 4,75€. Voilà, donc là, on est à 300 et quelques calories pour ça. Et puis celui-là, on est à... 318, ça. Pour la moitié, ouais. Et ça, c'est 147 pour 120 grammes. Enfin, donc on a moins de 500 pour le repas, donc ça va, c'est très très correct. C'est ça, 147 là et... 318. Les calories, hein, c'est pas ça qui est le plus important. Hein, dans tous les cas, mais le but, c'est de tester, voir si c'est bon. Ça vous dit de voir si c'est bon? Allez, on chauffe tout ça et puis on vous montre. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. On s'est pas fait chier. Donc le micro-ondes est à la poêle pour le risotto. Ouais. Ça sent bon. Au niveau timing, c'est pas mal. Attends, j'enlève la plante. Alors la dégustation se fait genre sans produit rajouté. Genre le risotto, j'ai pas rajouté de beurre, ni d'huile, ni de sel, ni de poivre. Et le poisson est aussi comme il est fait. C'est pas mal. En termes de sauce, je trouve le poisson, t'en as plus dans une assiette que dans l'autre. C'est parce que moi, il s'est peut-être genre... Est-ce que c'est bien cuit? Peut-être si tout bouge comme ça. Ah ouais, non, mais il me semblait, même quand je l'ai mise... T'avais qu'à mieux choisir ton assiette. Le poisson. Le poisson, il paraît trop cuit, non? Non, ça va. Sauce vierge, c'est à base de quoi, la sauce vierge? Au citron. Des herbes, pas mal. Il y a un petit peu de piment, peut-être, non? Poivron. Le poisson sent le poisson. Est très bon. Ouais. Le risotto. Est-ce que je dis pas à définir avec quoi dedans en fait. Le risotto, il est un peu croquant. C'est vrai. Alors. Ce qui m'intéresse, c'est les pointes d'asperges. Huile d'olive, échalote, tomate mi-séchée, ail, vinaigre de xérès, ciboulette, persil, sel. Ok. Et poivre. Allez. Et le risotto. Le risotto, il mériterait d'être cuit un peu plus. Ah ouais. Même l'asperge. Goûte l'asperge, tu vas voir. Mais souvent, les Italiens, ils le mangent... un peu croquant, ouais. Les asperges sont bien croquantes. Ah oui. C'est bon. Mais elles sont bonnes. Vert, après, fraîche. Peut-être que ça manque un peu de poivre. Ouais, un petit peu de sel, une petite pointe de sel. Après, ça, c'est les goûts perso. Hein. Mais c'est juste parce que nous, on a l'habitude de manger vachement épicé. Moi, je mettrais un 8 pour ce menu-là. Moi, le poisson, je mets un 8. Et le risotto, je mets un... 7,5. Parce que juste pour pas être d'accord. Bah ouais, mais c'est quand même pas mal. C'est rapide, efficace, c'est assez équilibré pour le midi. Donc bon déjeuner. Et on se retrouve pour la dernière recette juste après. Et on se retrouve pour le cinquième repas tiré de cette vidéo. C'est ça, ça sera pas un déjeuner, ça sera un dîner finalement. Parce que. Alors on a choisi deux choses à assembler. La première chose, c'est un velouté c'est de champignons. Champignons. Hop là, comme ceci. De Paris.
Donc là, c'est pour 4 parts. Mais l'autre coup, la soupe, une part, c'était vachement petit. Bah là, je sais pas si tu vois, c'est pas un beau bol hein, quand même, la moitié, là, ça fait un très beau bol, je dirais. À réchauffer 5 à 11 minutes à la casserole ou 4 à 16 minutes au micro-ondes. C'est bizarre, le créneau est plus grand là que là. Ouais, non, mais là, je sais pas. Là, il y a 6 et là, il y a. Non, mais on va faire à la casserole dans tous les cas. Dans tous les cas. Sachant qu'on va laisser les congeler parce que là, il est tôt. Bah, il est 5h30. Moi, j'ai l'idée, on va le mettre dans une casserole et puis on va le mettre au-dessus du fourneau comme ça, ça va décongeler. Et on rentre à 20h30, donc on le réchauffera voilà, tout ça. À l'heure. Ça coûte, attends, Ben, ah, ouais. 3,30€ le kilo. C'est un kilo, ouais. C'est quand même pas mal un kilo. Ingrédients, champignons de Paris, eau, pommes de terre, crème fraîche, oignons fraîchis, arômes naturels, sel, fécule de pommes de terre et poivre. Voilà, bon, on sort, ça nickel. Va. Et ensuite, on aura des chaussons. Attendez, je vous montre et je vais vous lire la suite. Chaussons, parmentier, fromage, champignons et jambon. Et il y en a 10 dans le sachet. On va pas faire les 10. On va pas faire les 10, hein, sinon... C'est 130 calories, un chausson, j'ai vu. Ok, donc c'est de la pomme de terre autour, c'est ça? Je sais pas c'est quoi exactement, mais les 10 ça coûte 7,60€. Dans un manteau de pommes de terre râpées, bat un cœur gourmand et fondant, fromage, champignons de Paris et jambon cuit supérieur. On peut le faire à la poêle. 10 minutes à la poêle, 15 minutes au four chaleur tournante ou à la friteuse 6 à 8 minutes. Nous on n'a pas de friteuse. Il n'y a pas au micro-ondes celui-là, t'as vu? Ouais. Friteuse à mon avis c'est beaucoup plus gras. Ah oui, oui, clairement. On va le faire au four, mais je pense qu'on ne rajoute pas de matière grasse, on met au four. Ouais, on met au très four, bien. C'est plus simple, on n'a pas à gérer. Ça va, Mel, tutouille ta soupe. Les petits vieux. Ouais, bon, on est le soir, on mange ce soir, bonsoir. Ben avec son petit bonnet de nuit, il appelle ça. Et moi avec mon petit pied noir. Donc on a le petit velouté de champignons. Ben montre, moi j'ai fait des tomates toutes nues. Voilà le petit velouté, ça a l'air rien rajouté dedans, on l'a laissé comme ça. Ça sent bon. Nature. Et les petits chaussons, on va appeler ça chaussons. Jambon, champignons et fromage frais, je crois. Et c'est de la pomme de terre autour et à l'intérieur il y a une espèce de. Je goûte déjà la soupe. Ben, je vais ouvrir ça comme ça, je vous montre. La soupe. Ah ouais. Là, je m'attendais à plus de cœur qui coule moins. Regarde. Ah ouais, t'as peut-être pas ouvert assez loin. J'ai peut-être pas ouvert assez loin. Je vais essayer un peu plus loin. La soupe est chaude. Ah oui, ça sort, effectivement. Oh, okay. Bla bla. Regardez comme c'est beau. Moi, je mange la soupe. Trop bonne. Bon, j'ai remis du poivre dedans, par contre. C'est vrai, j'ai mis du poivre et un peu de sel. Ça sent peut-être le poivre. Et très bien, cette sauce. C'est pas une sauce, c'est une soupe. Le petit intérieur là du truc. J'aurais pas dû mettre de poivre, tu penses? Non, c'est très bien. L'intérieur du chausson là, très bon. La soupe, elle est vraiment très bonne. La soupe est vraiment bonne. Très très bonne. Ouais. Et ça va bien ensemble en fait, ça fait le rappel de champignons. Et c'est ça, cool. C'est comment alors? Ouh. C'est pas mal. Ouh. ça coule, c'est pas mal. Je vais goûter avec les doigts, moi je vais faire ça. Ça fait un peu. Oh, c'est vrai que c'est pas très chaud à l'intérieur. Ah, mais je sais pas, je suis pas arrivé au milieu, mon corps. Bah, faut goûter le milieu. Ça fait un peu, vous savez, les croustilles, là, un peu, les galettes pommes de terre, comme ça, qu'on peut retrouver. Oh, ok. Et avec la soupe, c'est très bien. Tu mettrais combien, toi, du coup? Non, vraiment, c'est bon, ça. Très bien. Ah, c'est gourmand, hein. C'est très réconfortant pour le soir, très agréable. Moi, la soupe, je mets un bon 8 sur 10, parce qu'elle est bonne. Ouais, même 8,5. Les deux, moi je mets 8,5. Moi. Ouais, et ça je mets un 9 moi. Franchement, facile à faire. Très bien pour le soir, c'est facile. Vu qu'on avait décongelé avant, en plus ça va plus vite, c'est plutôt cool. J'ai faim. Voilà, voilà. Bon, bah on mange. Et puis c'est le dernier, non? Ouais, c'est la dernière. Cinquième. Ah oui. Ah bah donc la vidéo donc, est terminée. C'est la fin. Oh, déjà, bon. On espère que ce petit concept vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce si vous avez bien aimé. Des idées de genre des dégustations chez Thierrier ou Picard, des envies. Ce que vous aimeriez bien voir en vidéo. Gourmand, rapide, je ne sais pas trop quoi. Dites-le-nous en commentaire. Et on se retrouve tout bientôt. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Ah oui, ça nous fait plaisir. Et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles dégustations. Bye bye, Lulu.